Vous êtes à la recherche d'une machine à grains, il y a fort à parier que vous avez vu ce modèle-là, c'est la De'Longhi Magnifica S. Moi j'ai le modèle XS, mais c'est similaire. C'est sûrement le modèle de machine à grains le plus vendu en France. Quand j'ai fait cette vidéo, il y avait 37 000 avis sur Amazon, plus de 1000 avis sur MaxiCoffee, la plupart qui sont favorables. Et pour cause, sur le papier, c'est une très bonne machine. Un excellent broyeur, la qualité De'Longhi, possibilité de double expresso, une buse vapeur pour toutes les boissons lactées, et j'allais oublier, un prix parmi les plus bas du marché, dans les 300 euros. J'imagine que vous vous demandez si cette machine est peut-être la meilleure d'entrée de gamme, si l'expresso qu'elle fait est vraiment à la hauteur, si les boissons lactées, cappuccino, latte, sont tout aussi bons. J'ai passé plusieurs semaines à tester la De'Longhi Magnifica S, et je vais vous donner mon avis sur les choses qui fonctionnent bien et les petits défauts que cette machine peut avoir, alors restez avec moi. Au niveau du design, c'est une machine qui se veut avant tout pratique et fonctionnelle, et ça le fait bien. Le design, moi j'en suis pas un grand fan, on a un peu l'impression que De'Longhi a pas rafraîchi la gamme depuis un moment. Mais comme je vous le disais, le côté pratique, c'est vraiment ce qui est mis en avant, et je vais vous le montrer après, ça marche, ça par contre vraiment très bien. Au niveau de l'encombrement, on est sur une machine standard, environ 40 cm de profondeur, 20 cm de largeur pour un poids de 10 kg. Donc c'est pas la machine la plus grosse dans sa catégorie, c'est pas non plus la plus petite. Ça prend quand même un peu de place dans la cuisine, il faut le savoir. Le fonctionnement de cette machine, vous avez ici en haut le réceptacle pour le café à grains. Vous voyez d'ailleurs que le couvercle est un peu fumé, ce qui permet de bloquer un petit peu la lumière. Petite astuce, personnellement, je ne le remplis pas. J'en mets pour un ou deux jours de café et je le recharge au fur et à mesure. Donc, vous mettez votre café en grain ici. Vous avez une molette là pour pouvoir régler le broyeur. Et je vous expliquerai un petit peu après les bons réglages pour avoir un expresso. Vous avez aussi ici la trappe pour le café moulu. Vous pouvez mettre du décaf, par exemple, si vous voulez. Ou si un jour, vous n'avez plus du tout de café en grain. En haut ici, vous avez le chauffe-tasse. Alors attention, on n'est pas sur une machine expresso, on est sur une machine à grains, donc le chauffe-tasse est passif. Autant vous dire qu'il sert presque à rien. Pratique pour mettre vos tasses, mais ça ne va pas vraiment les chauffer. Pour éviter un choc trop thermique, vous pouvez passer votre tasse dans l'eau bouillante et ensuite la mettre après pour récupérer votre expresso. Comme je vous le disais juste avant, le côté pratique et fonctionnel, c'est vraiment le plus de cette machine. Le panneau ici de contrôle est très simple. Pas de réglage, pas de profil utilisateur, donc pas d'écran LCD, ni d'écran tactile. On a simplement une molette qui va vous permettre de régler l'intensité de votre café. Et puis, donc le bouton de démarrage ici, un expresso simple ou un expresso double, la buse vapeur, café allongé, le simple, café allongé double, et c'est terminé, vous n'avez rien d'autre. Le bouton qui est ici va clignoter pour vous indiquer quand il faudra lancer le cycle de détartrage. Et ensuite, ici, là on ne les a pas, mais vous allez avoir quelques icônes qui peuvent clignoter selon qu'il vous manque de l'eau, du café, que le réceptacle ici à café est plein, ou que votre bac ici de récupération d'eau est plein aussi. Quelques caractéristiques techniques. Le réceptacle à café à grains permet de mettre 250 g de café, c'est la taille des paquets. Le réservoir d'eau fait 1,8 litres, donc une fois rempli, ça vous permet d'avoir quand même plusieurs jours d'eau pour le café. Vous pouvez y intégrer une cartouche filtrante si vous voulez. On a la possibilité là de régler pour pouvoir mettre un mug un peu plus gros si vous voulez des cafés plus longs ou un expresso. Au niveau de l'entretien de cette machine, rien de très compliqué. Il y a deux choses vraiment importantes à faire après avoir vidé et nettoyé le bac de récupération d'eau. Un cycle de détartrage à lancer tous les mois, tous les deux mois, ça dépend de la dureté de votre eau. Quand vous allez allumer votre machine, au début, vous allez pouvoir régler ça. Vous allez avoir une petite bandelette à mettre sous l'eau qui vous donnera la dureté de votre eau. Et quand le cycle de détartrage sera prêt à être lancé, ça se fait automatiquement, vous n'avez pas à le faire. Ici, le bouton clignote en rouge. Après ça, c'est très simple. Vous mettez le détartrant à l'intérieur, vous lancez le cycle, vous mettez un récipient ici. Et au bout de 20 minutes, c'est terminé. Toutes les semaines, il est aussi conseillé de sortir le groupe d'infusion qui se trouve ici. Donc d'enlever le bac d'eau et à l'intérieur vous allez avoir le bloc d'infusion. Pour le nettoyer c'est très simple, vous le passez sous l'eau tiède pendant 15-20 secondes, vous essayez d'enlever tous les résidus de café et vous le laissez sécher à l'air libre. Ensuite vous avez aussi le nettoyage de votre moulin
Pour ça, je vous renvoie à mon autre vidéo. Vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle Super Grinds tous les mois, c'est simple. Passons maintenant au réglage. On est là sur une machine qui nous fait de l'expresso. On va donc chercher à faire ce qui se rapproche le plus d'un véritable expresso. Et avec ça, vous allez pouvoir après donc faire toutes vos boissons lactées. Vous pouvez aussi rajouter de l'eau pour vous faire un café allongé, un type un americano par exemple. Le premier réglage à faire, ça va être au niveau du broyeur. On veut le mettre sur le broyage le plus fin possible. Alors attention, vous pouvez régler votre broyeur seulement quand la machine est en marche, pendant un cycle de broyage. Et l'idéal, c'est de passer d'une incrémentation à une autre. Donc évitez de le faire trop vite. Ça va prendre un peu de temps avant que le café change vraiment de goût. Une fois que vous avez réglé votre broyeur, vous allez mettre votre café. Je vous conseille une torréfaction moyenne, moyenne plus. Partez pas sur des torréfactions qui sont trop noires, trop huileuses. C'est pas bon pour le moulin à l'intérieur et c'est pas bon pour votre machine. Le broyeur sur donc le minimum, l'intensité au maximum. Ensuite, vous pouvez lancer un expresso. L'arrêter si c'est un petit peu trop élevé, d'avoir un volume en tasse qui soit pas trop haut. Et là, vous allez avoir un bon expresso qui va vous permettre de partir et de faire des tas d'autres choses après. La buse vapeur, pour la mettre en marche, il suffit donc d'appuyer sur ce bouton. La machine chauffe. Une fois que ce bouton ici arrêtera de clignoter, vous pouvez tourner cette petite manette pour faire sortir la vapeur. Donc une buse vapeur qui fait bien son travail, qui sera pas très puissante, vous attendez pas à pouvoir faire vraiment du latte art avec ça. Ça vous permettra en général de faire un cappuccino et ensuite la machine aura besoin d'un petit peu de temps pour se réchauffer à nouveau. Passons maintenant à la partie sûrement la plus intéressante. On va faire des cafés, on va les goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. On va commencer par latte macchiato. N'oubliez pas de nettoyer, si possible, après chaque utilisation, la buse vapeur. Le lait a tendance à rester coincé à l'intérieur. Ok, regardez ça. Superbe latte macchiato. C'est un classique. C'est excellent, très facile à faire et ça peut impressionner vos amis. On va passer maintenant à un expresso. C'est la boisson la plus importante pour ce type de machine. On va voir ce que ça donne. Vous avez pu voir, j'ai plus d'eau, l'écoulement est un petit peu rapide. C'est un problème qu'on va retrouver souvent sur beaucoup de machines à grains. Le moulin n'est pas assez resserré et l'extraction, on va le voir, a tendance des fois à manquer un peu de puissance. Mais regardez, on a vraiment une superbe créma, une très très belle mousse, belle couleur. On a vraiment un bon expresso pour ce type de machine. Mais un petit bémol. Alors c'est un petit bémol que je vais adresser à cette machine-là, et je le ferai aussi sur les autres machines, c'est que si vous êtes vraiment un amateur d'expresso, de ristretto, très très corsé, presque sirupeux, vous allez être un peu déçu par ces machines. Mais si vous cherchez à avoir un bon expresso à la maison sans trop vous compliquer la vie, c'est parfait. Je vais prendre une minute de pause, je vais aller finir mon café et puis je reviens vous dire ce que je pense de la De'Longhi Magnifica S. En conclusion, qu'est-ce que je pense de la De'Longhi Magnifica S? C'est vraiment une excellente machine. Elle est complète, elle est solide, elle est très facile à prendre en main, elle est simple d'utilisation. On n'a pas d'options qui sont superflues. Elle fait un bon expresso. La buse vapeur va demander un petit peu de prise en main, mais c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir faire des cappuccinos, des latte macchiato, comme on a vu, très très facilement. Le matin, c'est parfait. L'entretien est rien de très compliqué non plus. Il y a aussi le gage de qualité De'Longhi derrière. Pour moi, c'est vraiment la machine que je recommanderais pour toute personne qui a envie d'avoir une machine à grains, mais qui n'a pas non plus 1000 ou 1500 euros à mettre dans un broyeur expresso. Si le sujet des machines à grains vous intéresse, je vous conseille de vous abonner. J'ai toute une série de vidéos
qui arrive dans les prochaines semaines sur l'utilisation, les réglages, l'entretien. J'ai un grand comparatif, plusieurs autres tests aussi. En fait, ça devait venir et je devais faire ça il n'y a pas longtemps, mais un déménagement de 6 000 km au Canada et un nouveau bébé qu'on a eu il y a quelques mois aussi a un peu retardé mon programme par rapport à ça. Mais je vous conseille vraiment de rester avec nous. On a plein de super choses qui arrivent et un concours avec bientôt une machine aussi à gagner comme ça.